Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour reprendre le championnat 2006 de Formule 1. Ça fait un an que j'ai pas posté de vidéo. Non, évidemment, c'est la blague de fin d'année, de début d'année. Alors, donc comme vous m'avez demandé dans les commentaires, je vais choisir d'accepter l'offre de Red Bull Racing. Alors vous voyez, j'objectif en bas, donc ça s'arrête normalement jusqu'à la fin de saison, je termine devant Clean à la fin du contrat. Il faut que je termine 12e et en qualification 16e. Donc là voilà, c'est fait. Donc on va démarrer donc le Grand Prix du Canada. Bon, pour pas vous mentir, ça fait 3 fois que je recommence. Parce que je l'ai fait une période où j'avais pas le temps et comment dire, la première fois, le jeu ramait à mort, ce qui va être aussi le cas ici, mais un petit peu moins. La deuxième fois, j'avais pas assez de temps pour terminer, donc là, on va faire la troisième fois. Mais l'avantage, c'est que vous allez couper, du coup, je vais vous couper en fait la partie entraînement du début. Alors, donc c'est parti, on va faire débuter le Grand Prix. Les voitures, la voiture, non, on va faire directement les qualifications. Nous voici sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal au Canada. La première des 3 séances va commencer, alors place à l'action. Voilà, donc on va laisser comme ça, je trouve que c'est pas trop mal. Tenue de route. C'est Thiago Montero qui rejoint le premier. On va remonter un peu les ailerons. Ok. Et on va mettre... J'ai plutôt envie de mettre de l'accélération, donc on va faire comme ça. Voilà, c'est parti. Donc oui, ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo, enfin... Ouais, on va dire que ça fait 1 ou 2 jours de plus que la moyenne. Parce que, il y a assez de championnats à faire, et puis j'avais pas spécialement le temps d'en faire, tout simplement. Alors, on va faire donc, c'est parti. On va quitter le garage directement. Et donc vous allez découvrir cette Red Bull avec moi. Alors je vais faire... J'ai juste baissé un peu le son parce que sinon moi j'entends trop fort le jeu. Voilà. Et donc c'est parti, voilà la Red Bull qu'on a donc... entre nos mains. Alors non, j'ai pas vu vraiment arrière, voilà. Juste à part celle-là. C'est l'occasion pour moi de parler des débuts de Red Bull. Qui était plutôt encourageant en 2005, hein, pas en 2006. Ils avaient pris la base de la Jaguar R4, qui a été une bonne Jaguar. On sait que Jaguar a fait un début de F1, enfin en 2001, 2002, c'était assez catastrophique. Mais là, cette fois-ci, les années 2003 et 2004 n'étaient pas trop mauvaises. Le seul problème, c'est qu'au moment où les résultats ont commencé à être meilleurs, les fonds ont commencé à manquer parce que Ford ne mettait plus trop de soutien à la F1. Et du coup, finalement Red Bull va récupérer l'écurie Jaguar. Et pour un résultat qu'on connaît actuellement qui est quand même excellent, puisque finalement Red Bull a été champion de constructeur en 2010, 2011, 2012, 2013. Donc c'est quand même assez énorme. Voilà, mais les premières années n'ont pas été de tout repos, ils ont mis vraiment quand même pas mal de temps à monter en rythme, et la première année ça s'est bien passé, la deuxième année beaucoup moins. La RB2 qu'on a là, enfin la... Oui c'est ça, la RB2 il me semble, était quand même beaucoup moins réussie que la première. Donc là c'est parti, on va faire un tour. Alors c'est un circuit qui est assez compliqué dans le sens où les vibreurs sont assez piégeux, et on est quand même obligé d'aller sur les vibreurs si on veut réussir à... bien ancrer la voiture dans le virage. Alors là, mon objectif c'est juste d'être qualifié en Q2, donc on va essayer de faire au mieux au plus rapidement possible. Voilà, par exemple ça c'est ce qu'il faut jamais faire, et j'ai cassé mon aileron arrière. Voilà, il est juste posé à côté, donc on va recommencer. C'est génial. Allez, on va quitter le virage à nouveau. Bon, il fait beau, c'est au moins la bonne nouvelle.
J'en profite pour évidemment pour vous souhaiter une bonne année 2017. Ce qui en tout cas j'espère sera au moins bien pour ceux qui ont une bonne année 2016 et mieux pour ceux qui ont une année pas forcément exceptionnelle. Donc voilà, tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses, la santé surtout, et amusez-vous bien du mieux que vous pourrez. C'est vraiment important de profiter au maximum des bonnes choses. Donc voilà. Donc nous, on a mis 7 à battre pour Rosberg. Mais la boîte est quand même un peu courte. Mais au moins, en accélération, ça devrait être pas mal. On pourrait voir la vitesse de pointe que j'ai réellement. Ouf. Giancarlo Fisichella est le plus rapide. Alors là... c'était pas trop ça. J'en profitais pour régler la voiture différemment. Vitesse. On va m'attenter. Là, ça commence à être un peu critique, hein, si je me qualifie bien. Ouais. En plus, il faut que je termine devant Clean. Donc, là, je commence en fait à avoir une pression d'objectif. Parce que quand on est super aguerré, on n'a pas trop de problèmes. Parce qu'on est contre Yuji Hide, qui est le plus mauvais quasiment du championnat. Enfin, en tout cas, dans le jeu. Puis bon, un petit peu en vrai aussi. Donc là, il va falloir vraiment, vraiment gérer. C'est pas trop faire de bêtises. Non. Alors il y aura des énormes changements de framerate, hein, vous inquiétez pas, c'est pareil de mon côté. Et en plus je joue sur l'écran de l'enregistrement, donc ça améliore pas les choses. Et j'aimerais enfin prendre ce virage comme il faut. Pas celui-là, mais la deuxième chicane, enfin la troisième chicane. Il faut aussi que je fasse monter les plans en température. J'ai l'impression que la 6ème et la 7ème sont trop rapprochés. Alors le 14 à bas je pense que ça va être très difficile, par contre le temps de Rosberg est moyen. Largement. Hein. Oh, il y a un accident devant et du coup voilà, je vais me retrouver bloqué. Donc moi je vais pas me faire avoir, je vais attendre que la pénalité passe et on va partir maintenant. Comme ça j'aurai plein de vitesse dans la ligne droite. Voilà, c'est le drapeau vert. Bon, le seul souci c'est que j'aurai une voiture devant moi et le problème aussi des voitures devant nous c'est que elles me font perdre du temps. Alors si vous écoutez bien, vous allez voir que, vous allez entendre peut-être le moteur V8. Voilà, mais il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. Est-ce que je vais réussir à passer? Oui. Bon, j'ai perdu pas mal de temps, mais au moins j'ai réussi à passer. Bon, j'ai touché la roue. Et d'après ce que m'a dit un certain MCScored, ça ne gêne à rien. En gros, je peux faire 70 tours avec la même roue. Et moi, c'est bon à savoir. Moi, je sais que je peux rester comme ça si je veux faire un tour de plus ou deux. Bon, c'est physique la camion, ouais, en 1.14. Bon, moi, mon temps sera pas exceptionnel, logiquement. Voilà, je l'ai mal prise aussi, la chicane. 13, 14, 15, ouais 16, ça devrait le faire. Bon, je vais quand même tenter un dernier tour. Au moins pour améliorer ce temps-là. Parce que j'ai pas eu tellement de temps avec la voiture devant moi. Que je pense que je peux améliorer encore un petit peu. Ah, j'ai coupé. J'étais en avance et j'ai coupé. Enfin, on va essayer de voir si je peux améliorer un petit peu, mais à mon avis, ça passera pas.
Ouais, je fais pas de bêtises à cet endroit. Ah, mais il comptera pas mon tour en plus. Bon, bah, du coup, ouais. Du coup, je vais devoir tenter une troisième tentative. Pour l'instant, je suis 11ème, donc ça devrait le faire, mais bon. Il reste 2 minutes, tout peut arriver. Bon, ça va quand même, je suis à 310 avec cette boîte. Voilà, là, c'est une chiguette que j'appelle bien prise. Est-ce que j'aurais mieux mon temps d'ailleurs? Enfin, j'aurais fait un temps trop similaire. Alors effectivement, avec la Red Bull, on peut viser peut-être un peu plus haut qu'avec la Super Aguri, puisqu'elle est plus rapide. Après, c'est pas non plus la plus rapide du jeu ni dans le top, mais c'est une bonne voiture de milieu de tableau. Ah! Et j'ai réussi à être plus lent que mon premier tour. Je sais pas comment j'ai fait ça. Et Clean est 17ème, donc pour le moment, on finirait devant lui en qualification. Ah, j'ai gagné une seconde quand même hein, sur le deuxième secteur, donc c'est bon. À moi de faire un troisième secteur comme il faut et on pourra passer en Q2. Voilà, j'ai bien pris le troisième secteur. Ça devrait faire un temps plutôt sympa, même 13. Eh, 14-9, c'est vachement mieux, on est troisième. On va revenir au garage. Nous poursuivrons dans quelques instants. Et la séance de décantation. On est troisième. Et Clean s'est qualifié. Et seulement 10 pilotes retenus dans la troisième et dernière phase. Allez, deuxième séance, on va directement sortir. C'est la dernière occasion pour ceux qui se trouvent en milieu de classement dans la première séance de montrer ce qu'ils valent vraiment. Alors je pourrais couper à droite, mais si je coupe à droite, en fait, il va mettre une bénignité tellement énorme que ça reviendra au même que faire ce que je fais là. Là, j'ai repris une pénalité pour la fin, c'est génial. Ça passe quand même, là il me pénalise pas, bon tant mieux. Je tasse un petit peu les limites de la piste, donc à faire. On peut dire, ça va être de pas faire de bêtises en course comme j'ai fait à Silverstone. J'ai perdu pas mal de points à cause de ça. Je rappelle quand même que je termine 12ème en course, hein, donc c'est assez énorme. Oh, on a les gens effleurés. Pour le moment, on va assurer un temps normal. Et après, on essaiera d'accélérer un peu plus. Là, ça me fait penser qu'il y avait donc Christian Klein avec moi. C'est un pilote que j'aimais bien d'ailleurs à l'époque. Même s'il n'a pas duré. Je pense que c'est un pilote qui aurait mérité d'aller beaucoup plus loin. Un peu comme Ludi. C'était pas si mauvais, je trouve. Bon, c'était pas les meilleurs pilotes, mais ils avaient quand même un certain... Bon, je suis sorti complètement large, mais c'est pas là où j'ai perdu le plus de temps, hein, de toute façon. C'est vraiment dans les chicanes où il y a vraiment beaucoup de temps à perdre ou à gagner. J'ai freiné assez fort. Bon, c'est pas grave, au moins déjà je finis mon premier tour... 12, 13, allez 15-2, c'est bien.
voir si je peux faire un peu mieux. Alors je pense pas que c'est mon premier secteur, je vais améliorer, ça sera vraiment sur la fin. Oh! Bon voilà, c'est fichu, on va essayer de faire un troisième essai. Mais 17 est à 1,17, donc bon, on va voir. Ok, donc ça passe pas. Allez, c'est parti, dernier galop d'essai. Et on verra si on y arrive. Bakelo amélioré du coup est en tête, Kin est dixième. Ah, je l'ai un peu mieux pris mais c'était pas trop bien que ça. Bon j'ai qu'un dixième de retard donc ça devrait peut-être le faire. Tout va dépendre de la dernière chicane. Ah bah voilà, finalement c'est fichu. Bon voilà, là c'est fichu, donc on va venir au garage et on verra si on passe la dernière séance. Nous allons passer. Oui c'est bon, 8ème. Et Clean a échoué 16ème, donc déjà on a battu Clean, c'est bien. À la fin de cette deuxième et on va séance, voir si on peut donc maintenant pour la dernière séance. La prochaine va définir la place des 10 voitures restantes. Tous les temps précédents peuvent être oubliés et la lutte à couteau tiré pour la pole va commencer. Bon, on va quitter le garage. Le problème, c'est qu'on aura beaucoup de tours d'essence. Hein, on va y avoir, on va avoir 20 ou 30, enfin entre les deux. C'est Rubens Barrichello qui ouvre la troisième séance. On a 26 tours. Donc là, il va falloir tourner, tourner, tourner. Ça va être génial. Que du bonheur. Changer un petit peu de vue histoire de montrer le circuit en vue du dessous, enfin bas de caisse, qui est assez sympa dans le sens où ça va vachement vite. On a une bonne impression de vitesse et en plus on a bon frame rate, ce qui change un petit peu. Donc quoi dire de plus, ben en 2006 Alonso a gagné. De souvenir, parce que j'ai même pas pu voir le Grand Prix, enfin j'ai vu que la fin il me semble. Les moteurs prennent vachement cher hein, par contre. Oh là là. Avec la boîte que j'ai mis là. Je serai pas trop bridé en course. Le problème c'est que là on pourra pas faire une pole parce qu'il faudrait que je tourne 10 tours et j'ai pas envie. La vidéo serait trop longue.
Donc on va faire un temps qui va être plus ou moins classique et il sera sûrement battu d'au moins 2 secondes. Enfin, je vais finir un temps sympa, on verra ce que ça donne, mais je pense pas que ça ouvre beaucoup de possibilités. Je suis en train de faire qu'un tour. Hein. En 1:15.9, on va voir, mais. Ah, 16, c'est pas trop mal. Bon, genre, si j'améliore, non, j'améliorerai pas. Allez, revenons au garage. On va faire avancer le temps. Voilà, ils sont en 1:15. Enfin bon, c'est, je vais partir dans les derniers. Les résultats devraient tomber là après. Les jeux sont faits. De la 10e place. Donc là, j'ai quand même terminé 9e, pas dernier. Nous avons passé une heure de qualification. Ça va être compliqué, hein, parce que pas faire la moindre erreur sur ce circuit. Et donc on a Barrichello qui a fait la pole position devant Alonso. Button 3ème, allez, Honda qui sont vraiment fortes. Hein. De McLaren qui se suivent 4-5, Fisichella à 6ème, Schumacher, Ralf Schumacher, nous et Massa. Et derrière, bon, c'est un petit peu équipe par équipe. Hein. Williams, Sauber, bon, ils vont collecter 16ème, STR, MF1 et Aguri. Donc c'est parti. Ok, donc un départ plutôt bien. Attention de ne pas faire de bêtises au premier virage. Ouais, bonne réaccélération. Je prends pas de risque. Voilà, je vais essayer de passer le McLaren, c'est bon. Ok, très bon départ, on est quatrième. Ouf, allez, le coup de stress du premier du point de virage est passé, maintenant il va falloir gérer. 14 tours à parcourir. Alors je compte sur mon accélération pour pouvoir me rapprocher, pas forcément sur une vitesse de pointe. Je vais pouvoir passer Button à une droite. Oui, ça passe. Eh, quand même. Ouh, le coup de ralenti, là. Allez, on a doublé Button, ouais. Dans la ligne droite. On va pouvoir maintenant essayer de remonter sur le sur les deux premiers. Ouais, bon, ça c'est logique, hein, parce que par rapport au premier tour, on part sur la grille de 0. Ouais, bon réglage hein, pour le moment, j'ai l'impression. Bon, bah, je tente. Oh, c'est passé comme dans du beurre. Parfait. Comment le moteur hurle, c'est incroyable. J'espère que mon moteur n'a pas explosé par contre, ça serait vraiment dommage.
Voilà, c'est ça auquel il faut que je fasse attention, c'est les livreurs. Un bike-off qui est quand même assez rapide. Et l'accélération, en vrai, comme je peux me rapprocher d'un coup. On va prendre l'aspiration. On se décale. Et le dépassement, oh là, qui est imparable sur le Honda et on prend la tête de la course. Alors, on peut me reprendre évidemment. Mais là, je pense qu'avec le réglage que j'ai. Oh, je me suis loupé. Bon, vu que j'ai pas d'aspiration dans la ligne droite, je devrais arriver moins facilement au rupteur, enfin moins longtemps. Non ! Ouh, j'ai perdu la première place et j'ai Alonso du coup. Ouais, je me fais surprendre par le livreur. Il y a déjà les premières erreurs. On va voir maintenant. Comme quoi, tout est loin d'être gagné. Non, je ne relâche rien, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, j'empoigne mon bike et l'eau. Il suffit que je dise ça pour louper mon freinage. Ah, drapeau jaune, bon dans la portion 2, le temps qu'on y arrive, ça sera normalement tranquille. Et bah avec Elo qui quand même a un bon rythme. Je pense que je peux le rattraper, mais le problème c'est que je suis obligé d'attaquer et quand j'attaque je fais pas mal d'erreurs. Mais je suis assez content quand même du début de course. Alors là, attention. Est-ce qu'il y aura peut-être des plaques d'huile? Est-ce qu'on est sorti de la zone? Alors évidemment, je sors de la trajectoire et du coup, voilà, je sors du virage aussi. Mais ça va, on n'a pas perdu trop de temps. Alors, 1 seconde 5 de retard sur Barrichello. On a gagné 2 dixièmes pour le moment.
Il est arrivé sous la seconde, on va bientôt avoir le DRS. Non, je rigole, il n'y a pas de DRS à cette époque. Attention au vibreur. Allez, là on est pas mal, on peut pouvoir faire la même que tout à l'heure. Allez, aspiration. Conserve cette place, du premier pour travail. Et on est passé. Et finalement, cette boîte de vitesse, là je l'aime bien. Bonne accélération, bonne vitesse de pointe, tout qui est bon. Bon, attends, il faut qu'on essaie de s'échapper doucement mais tranquillement. Alors, en faisant pas trop d'erreurs. Déjà à mi-course. Et au classement, dans la course championnat, il y a moyen que si on termine premier, que l'on puisse peut-être reprendre des gros points au championnat pilote. Alors, ce que je vais faire, une Verstappen, c'est rejoindre Red Bull en milieu de saison et gagner comme lui dès la première. Ça serait marrant. Bon, il n'est pas gagné au Canada, mais ça pourrait être drôle. Ah, c'est vraiment dans ce virage-là hein, que je reprends beaucoup d'avance. Allez, j'avais 7 dixièmes au freinage. On va voir combien je vais terminer le tour. Je finis à 2 secondes. Donc j'ai vraiment vraiment pas mal d'avance hein, dans ce secteur là. Et en plus je crois que j'ai fait le meilleur tour. Je crois qu'on a des drapeaux jaunes dans la portion 2. Confirmé. Drapeau jaune, portion 2. Ne double pas et n'attaque pas avant d'avoir vu le drapeau vert. D'accord, ça marche. Alors sauf si j'ai toujours pas de drapeau mais. Ben voilà, drapeau vert, donc c'est bon, on peut repartir. Ça nous a pas impacté du tout. Ah, il y a encore de l'huile. Ah oui, on a vu la trace d'huile sur le côté. Elle était sur la trajectoire en plus, hein. Heureusement que je suis à l'extérieur. Allez, quasiment 5 tours à parcourir bientôt. Plus le tour passe, plus j'ai envie d'être tranquille et je peux pas parce que j'ai quand même un kilo qui est pas si loin. Petit effet de réverb là quand on est passé sous le pont. Donc quoi je pourrais parler en attendant. Alors on va parler du calendrier de Canada dans le sens où chaque année il est plus ou moins menacé de disparaître du calendrier. Parce que Bernie voudrait qu'il fasse
des efforts en termes de sécurité de piste, ce qui semble assez compliqué parce qu'on est sur une île, hein, je le rappelle. Et du coup, les arbres de piste sont pas très larges. Et on peut pas construire sur la mer, vous en doutez bien. Du coup, je sais pas trop comment ils vont faire. Et c'est bien dommage, hein. Moi j'aimerais pas que ce soit un circuit qui disparaisse. Bon, déjà, on va avoir le Grand Prix du Paul Ricard, enfin en France, qui va revenir, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, on verra comment ça se passe l'ère Liberty. Fait qu'on va acheter les droits, je crois que c'était CVC avant qu'il y avait les droits, maintenant ce sera Liberty. Comment vont-ils impacter la F1 et quelle proportion ça va prendre? Alors, je suis pas spécialement optimiste ou pessimiste là-dessus, hein, vraiment, je n'en sais rien du tout. Mais comme chaque changement, bah, ça peut être en bien comme en pire, donc des fois, on met pas trop de changements. Déjà que l'année 2017 pour moi va peut-être être pas mal parce que avec les nouvelles réglementations. Alors je dis pas que ce sera plus facile de doubler, à mon avis ils auront le même problème parce que ça changera rien. Mais le fait d'avoir des voitures un peu plus badass dans leur conception et plus rapide, moi ça me va. J'aime bien ça. Puis quand on a connu, bah, comme moi et comme beaucoup de gens, les années 2002, 2003, 2004 où les voitures c'était des monstres, elles avaient super vite et tout, et finalement ils se doublaient pas. Bah, ça changera pas grand chose. Donc quand t'as été habitué à ça, finalement ça fera pas grand chose de plus en 2017 si c'est le cas. Ce que j'espère c'est qu'il y aura un petit peu de challenge pour le championnat du monde de pilotes et constructeurs. S'il pouvait y avoir au moins deux écuries pour le titre, ça me ferait plaisir. Peu importe laquelle d'ailleurs, tant qu'il y ait un duel chaque course entre 3-4 pilotes, ça peut vraiment être intéressant. Puis ça donnera un petit peu plus de... Bah comment dire, ça revalorisera un peu plus la F1 là, parce que ça fait quand même des nombreuses années où on n'a plus trop de duels entre équipes. Le dernier qu'on a eu c'était vraiment entre Alonso et Vettel en 2012, donc pour vous dire, ça date d'il y a 4 ans. Ok. Je vais pas le prendre celui-là, je sais pas, je me foire. Parce que j'ai pas envie de couper aussi l'autre côté du virage et de prendre avec les voitures prendre en tête à queue. Alors deuxième secteur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je vais avoir encore de l'huile ou rien du tout? Non, j'ai pas de drapeau pour le moment. En plus ils sont déjà verts donc c'est bon. Ah non, ils sont verts là mais pas après. Et j'ai roulé sur la flaque d'huile. Du coup je dois pas mal ralentir. Donc voilà, en 2017, j'y crois, sans y croire, parce que à force de changer les règles, il y a toujours une domination qui arrive de derrière. Hein. Souvenez-vous de 2009, ça a été Brown. Je suis enchaîné par une domination de Red Bull, après en changeant turbo, c'est la domination des Mercedes. Donc bon, voilà, on verra bien. Je pense pas que Mercedes va perdre son avance comme ça. Mais si elle pouvait au moins aller se faire rejoindre par une équipe, pour avoir des batailles pour la victoire, ça m'ira. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça ira aussi. Après, on peut toujours se prendre à rêver avec une saison en type 97 ou 99 où trois écuries peuvent avoir une chance. Parce que 97. Oh, attention! Parce que 97, il y avait Benetton qui pouvait gagner, et Williams qui pouvait gagner, Ferrari pouvait gagner. Il y avait aussi, à un certain moment, McLaren aussi. Donc c'est 4 équipes hein, qui étaient en position de gagner, en fait, pas toutes les courses, mais au moins une fois dans l'année. C'était quand même très intéressant. Et au final, il y a eu Williams a gagné, Ferrari a gagné, Benetton a gagné, McLaren a gagné, Arrows a failli gagner. Donc on a quand même 4 équipes vainqueurs durant cette saison. Alors que là, on en a eu que deux. On a eu Mercedes et Red Bull. L'année dernière, c'était Ferrari et Mercedes. Et il y a 3 ans, c'était encore Red Bull et Mercedes. Et on a gagné la course. J'ai pensé qu'il restait un tour. Ah ben voilà, bah écoutez, départ en fanfare sur cette jolie Red Bull. Deuxième génération. Donc ça, c'est bien. Ça fait plaisir. J'en profite pour enregistrer parce que... Parce que voilà.
Donc fin de course, on a terminé en premier, Barrichello deuxième, à 2 secondes, hein. C'était pas loin, hein. Il était pas non plus à 10 secondes. Ça a pas trop bougé, hein. Alonso troisième, Button, Montoya, Raikkonen, quasiment aucun changement. Je crois que c'est carrément, hormis Trulli, c'est exactement le classement final en fait de la qualification. Donc voilà, les bébés. Alors du coup, abandon clean, ben, mon coéquipier a abandonné. Donc les points, on les a vus. Et du coup, au championnat pilote, alors là c'est intéressant, on est deuxième. Donc on est à un seul point d'Alonso, et en plus sur les voitures qui peut se battre, donc ça, ça fait plaisir. Ensuite, donc ça me tient un peu vite, mais bon, Loden remonte à la 11e place. On va voir le classement constructeur, on l'a vu. Et maintenant constructeur. Alors, Renault est en tête, ça va être très difficile à battre. Et nous, on est, je le rappelle, on est Red Bull, donc on est 8e. Donc on va essayer de remonter au classement. Ce qui est bien, c'est que d'un coup, on a gagné une place. Ça, c'est bien. Par contre, il y a pas mal de chemin à faire, hein, avant de pouvoir remonter pour le titre. Même Super Aguri a plus de points que nous. Et donc on a droit à ce super podium. Et notre nouvelle pilote, notre pilote fille, qui du coup se retrouve chez Red Bull. Et qui gagne pour sa première. Petite allusion à Verstappen. Et tout le monde est content. Belle victoire de Red Bull. Et donc on s'en est bien sorti, donc ça fait plaisir. On verra après sur notre course, hein. C'est pas dit que ce soit du même acabit. Vous avez vu à Silverstone ce que ça a donné. Et j'ai gagné un nouveau trophée. On va faire continuer. On va voir si on a quelques mails et puis on s'arrêtera là-dessus. Oui, on va se regarder. Tout à fait. Voilà. Alors, je sais pas ce que j'ai eu comme récompense. Alors, ce sera le Grand Prix des États-Unis la prochaine. Voilà. On va voir la boîte de réception quand même. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est super régulier et fort. L'excuse, c'est de se renforcer en ce moment et c'est en grande partie votre excellente prestation. Est-ce qu'on continue à faire la une, Kaysa? Bah on l'aura faite malheureusement, je sais pas, chez Super Aguri. Et on va voir ce qu'ils ont dit du coup pour l'espoir, voilà. Et c'est 10 points dans la tirelire, la direction de Red Bull Racing. Donc je pense qu'ils sont contents. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos comme d'habitude. Et la suite de cette série aux États-Unis, à Indianapolis. Ciao tout le monde.